Me voici de retour parmi vous. L'année 2020 était laborieuse. Tout d'abord, deux pannes d'ordinateur, une en février à cause de l'orage, et une au mois de décembre, qui m'a vraiment ennuyé. Plus ce chauffe-eau qui a grillé, et mon téléphone portable. Voilà, donc pour l'année 2020, c'est fini. Voici pourquoi j'étais absent pendant quelques semaines. Nous redémarrons une nouvelle année. Dans cette vidéo, Nostradamus annonce encore une période glaciale sur l'Angleterre et sur l'Europe. L'inondation de Cologne par le Rhin, de la violence à Naples, le secret sacré du Saint Graal en Provence et l'effondrement des Andes, à nouveau la confirmation de l'effondrement des Andes. Il y a un an, j'ai mis une vidéo sur YouTube annonçant une période de froid sur l'Angleterre, une grosse période de froid sur le nord de l'Europe. Vous pouvez la retrouver dans les archives des vidéos sur YouTube. Et également, il y a eu une vidéo, par contre je ne sais plus si je l'ai mise ou pas, sur le réveil de l'Etna et du Vésuve. Il faudra que je vérifie ça. En ce qui concerne l'association, celle-ci a été créée maintenant il y a quelques mois. Nous avons créé une conserverie, nous mettons en boîte toutes sortes d'aliments. Quelques échecs à un moment donné à cause des plats préparés que nous avons faits, un appareil défectueux et plusieurs dizaines de boîtes jetées parce que la stérilisation était mauvaise. La stérilisation ou la pasteurisation. Voilà en ce qui concerne l'association. Maintenant, nous allons découvrir le quatrain 43 de la 5e centurie. L'association Terra Nova Bar a créé son site internet dans lequel nous montrons les différents produits que nous mettrons dans les abris. Nous faisons également une proposition sur l'acquisition d'une grande maison à plus de 1000 mètres d'altitude. Il y a 12 chambres disponibles. Nostradamus indique dans un des quatrains qu'au moment de fuir les grandes tribulations, il faudra aller dans les Pyrénées. J'ai installé le quatrain en question dans le site Terra Novare. Vous pouvez le consulter. Vous trouverez le lien de Terra Novare dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Ce lieu que nous désirons acquérir sera le pied-à-terre pour permettre de construire le premier abri sur un des grands plateaux. Vous trouverez les photos de ce lieu, ainsi que les photos des chambres mises en vente. Il nous faut absolument être 12 personnes pour acquérir ce futur refuge. À l'heure actuelle, nous avons 5 réservations de chambres, donc il nous manque quelques personnes encore pour acquérir ce bien. Toutes les conditions sont écrites dans le site internet. Je reconnais que dans le quatrain que j'ai installé sur le site Terra Novare, Nostradamus s'adresse qu'à moi et me conseille d'aller m'installer dans les Pyrénées quand ce sera le moment de fuir. Vous verrez, il y a toutes les analyses permettant de comprendre le sens de l'écriture. Maintenant, nous arrivons à la révélation. Voici le quatrain 43 de la 5e centurie. La grande ruine des sacrés Nocélongues, Provence, Naples, Sicile, Cèze et Ponce, en Germanie, Haut-Rhin et la Cologne, vexés à mort par tous ceux de Magons. Voici la première ligne du quatrain. La grande ruine des sacrés Nocélongues. Voici la révélation. Là, pour cette époque, j'ai géré la grandeur, l'époque de l'année des Andes, son écroulement. De cette époque, j'ai eu les visions. Ce sera la première aide de Dieu par ses usages sacrés. Ce sera ça. En ayant recréé la renaissance par les usages d'expression sera cet essai, ce savoir qui était scellé. Car vous aurez longuement les eaux et la neige. J'ai eu la volonté de voir cette menace, la terrible malédiction de cette grande ruine. Voici la ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction des vents et de la neige, des gelées et des eaux. Ce sera aussitôt sur le champ. Il faudra appeler les êtres. J'ai les scènes de la naissance des usages d'expression. Ce sera une connaissance secrète et sacrée de savoir créer l'air des mots. Tu ressasseras l'heure des races contenues dans ces premiers essais cédés par Dieu le divin. Le devin devine les visions dès la naissance, ce sera l'aide de Dieu pour l'heure de la renaissance du Graal. J'ai géré l'ère des mots, et l'époque où marchera ces lectures qui aura place errant. Ce sera la volonté de voir la menace et la malédiction des vents, de la neige, des gelées et des eaux sur les champs. Il faut avertir, ce sera les scènes de la naissance de ces usages secrets et sacrés, pour indiquer l'heure des races. Voici la deuxième ligne du quatrain. Provence, Naples,
Sicile, 16 et Ponce. Voici la révélation. Sera le pouvoir en Provence de prouver cela. Il faut prier, demander, implorer l'air des mots. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction contenue à l'intérieur des mots. Tu connaîtras la haine qui sera à Naples. En ayant le pouvoir de connaître les plaies laissées dans ces usages d'expression, sera ici cet essai que le ciel donne par cette lecture sur la connaissance de la durée de la vie des races. Pour les heures de ce temps, il y a tellement de réponses. Sera le pouvoir de cet art en ayant la naissance de ce savoir en Provence et prouver cela. La haine sera à Naples. Et la Sicile, en cette heure de ce temps, aura des pires ponces. Voici la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Dans ce savoir, ce sera la peur des pouvoirs qui feront péter la planète. Ces heures seront telles que les heures de haine seront recélées dans cette connaissance. La lecture sera scellée et donnera cet essai issu des usages d'expression. La révélation sera par morceaux et donneront les années contenant les scènes. Ce sera le sens intelligent, le bon sens dans la manière de comprendre les choses et pouvoir les prouver. Ce sera la prouesse de l'air des mots. Il faudra prier, demander, implorer cette connaissance afin d'avoir le pouvoir de tes thèses par les connaissances scellées de la lecture ici. Alors il faut savoir qu'à Naples, le volcan est le Vésuve et les champs pélégrins avec 40 volcans. Et en Sicile, c'est l'Etna. En ce moment, l'Etna s'est réveillé. J'avais fait une vidéo qui avait déjà dit autrefois que l'Etna se réveillerait. Voici la troisième ligne. En Germanie, au Rhin et la Cologne. Voici la révélation. La haine sera en Germanie. Il faut gérer les heures de cette époque remaniée. Moi, j'ai l'année sous les yeux. Je vois les eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, le Rhin, en cette époque, dans les heures de ce premier temps, il y aura tellement de lacs sur les sols que l'eau haute envahira Cologne. Ce sera une auge. Cette gêne naîtra et apportera une grande haine en Germanie. Voici la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. La haine sera en Angleterre par la neige dégelée et des eaux haussées sur les sols. Elles iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. Et là, rapidement, la terre du Rhin sera à l'heure de la première haine des eaux. Il faudra porter votre regard sur ce lieu. L'intention des visions maintenant sera de connaître la haine de la mer. Par mes heures de l'époque de cette gêne, sera la naissance du néant, limitant la durée de l'existence par la haine de la neige, des gelées et des eaux sur les sols de la terre du Rhin. Voici la quatrième ligne du 43. Vexé à mort par tous ceux de ma gonce. Voici la révélation. Ce sera la volonté de voir la menace, la malédiction de la planète et ses excès. En possédant l'âme des mots, vous connaîtrez l'heure au rameau. Les mots des hommes seront ignobles et repoussants en cette époque. Tu es paré du pouvoir de cet art de l'ère des mots, tout seul à l'avoir des us et coutumes de l'expression. Ce savoir sera pour les hommes, cette coutume d'expression a été cédée par Dieu. Les missions de moi le mage. J'ai l'époque annoncée, ce sera en certaines circonstances. La connaissance sur les eaux hautes par l'excès des hommes, la connaissance de l'heure sera par l'âme des mots. Maintenant voici la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Par cet essai de la connaissance issue de l'écho des sons phonétiques, les avares du mage et avares en cette époque mon aide. L'aide de Dieu le divin sera par deux coutumes d'expression. Vous connaîtrez tous cet été la tonalité. L'intégralité sera révélée tout haut. Ainsi vous aurez la coutume d'expression en séparant le pouvoir de cet art. L'époque qui sera en accusation le sera par l'action de perturber ou de retourner le mouvement circulaire de la planète. La circonférence sera parcourue par les eaux qui iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant l'époque se servira de rame. J'ai l'âme amère en inscrivant les heures de la mer. Ces heures seront entendues par les rois qui sauront et auront la volonté de voir la menace en connaissant les sons phonétiques du mage de Dieu. Ce sera par deux coutumes d'expression que tous vous connaîtrez le pouvoir de cet art retors. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu.
Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova VAR a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova VAR. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que notre abus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Fedim Livre, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus, ainsi que tous les livres papier. Merci d'avoir participé à la lecture de la révélation du 443. Je vous dis à bientôt.